Je travaille simultanément avec une dizaine de virus qui me rapportent de l'argent. Un jour, ça peut rapporter zéro et le suivant, des milliers de dollars. Donc, en général, environ 6 000 dollars par mois. Dans un pays où le salaire moyen s'élève à 900 euros, le pirate de 23 ans a la belle vie et il sait que ça va durer. La plupart du temps, si tu n'attaques pas des citoyens russes ou d'ex-URSS, tu n'as aucun problème. Car il est peu probable qu'un citoyen américain, par exemple, vienne en Russie pour porter plainte contre toi. Donc, quand tu es un hacker professionnel, si tu respectes cette règle et que tu ne quittes pas la Russie, tu ne risques quasiment rien.